Ça fait à peu près 30 ans que je suis active dans le domaine du théâtre, comme principalement metteur en scène, un peu comédienne et auteur aussi, et puis d'autres, au gré des rencontres, d'autres fonctions. J'ai à peu près fait tout ce qu'on peut faire dans un théâtre, de l'administration jusqu'à accrocher des pendrillons et pointer des projecteurs. Donc voilà, multifonction dans le domaine du théâtre. Je suis arrivée au Cameroun pour la première fois en 2009 et là j'ai rencontré Martin Ambara qui travaillait à son futur projet Osiriade SG21 qui devait marquer l'ouverture de Otmi, le centre dans lequel on se trouve actuellement. Et voilà, je me suis embarquée dans l'aventure avec lui et 10 ans après je continue à collaborer avec lui d'année en année, je reviens ici. Je suis ici cette fois-ci justement pour le 10e anniversaire de Otmi. On fait ça pendant toute la semaine, il y a différents spectacles, différentes rencontres, des tables rondes, différentes activités. Et parallèlement à ça, j'anime un atelier de formation pour les comédiens qui sont en première année de formation ici à Otmi, puisque Otmi c'est aussi une école de formation pour les acteurs. Donc voilà, j'essaye de réfléchir un peu avec eux à qu'est-ce que c'est le théâtre et comment le pratiquer ensemble. Et on travaille sur la base d'un texte que j'ai écrit ici au Cameroun il y a 18 mois lors d'une résidence d'écriture, un texte qui s'appelle « À dessein » en 3 mots. Et on poursuit des expérimentations là-dessus. Ce texte vient d'être publié. Il est sorti aux éditions Le Jeune Auteur. La dédicace et le lancement du livre a eu lieu hier, justement. Donc c'est vraiment un bébé qui est tout petit. Hier, 12 mars 2020. 12 mars 2020, absolument, le livre est sorti. C'est un recueil qui compile 3 textes que j'ai écrits ici au Cameroun. Le premier, donc, je l'ai écrit justement en 2009 à Bonendale, à côté de Douala, lors d'une résidence d'écriture. C'est un texte qui s'appelle La neige et le papillon, qui parle de l'histoire d'une femme qui revient sur sol africain, une Européenne qui revient sur le sol africain sur lequel elle a passé son enfance et qui évoque ses souvenirs et qui essaye de faire la paix avec elle-même de ce voyage de retour. Le deuxième texte s'appelle « Esclavagisme fragment » et c'est un texte qui traite de cette notion d'esclave et d'esclavagisme, de la manière dont on la dévoie en Europe en se prétendant esclave de plein de choses, mais en oubliant que les vrais esclaves ont été tués, mutilés de manière dramatique et donc que ce mot ne devrait pas être utilisé à la légère comme il est utilisé à la légère en Europe. Et enfin le troisième texte, « À dessein » dont je vous parlais tout à l'heure, est un texte qui parle du rapport des femmes avec leur corps et notamment avec leur poitrine. C'est un texte qui ont ça en commun de beaucoup donner la parole aux femmes. Quelles sont vos visées futures avec Otmi? Quels sont vos projets futurs? On a le projet donc de peut-être monter à dessein vraiment, de faire un spectacle au-delà de cet atelier de formation et de ce chantier d'expérimentation. Et voilà, Martin Ambara a un projet autour du Vette, sur lequel je serai peut-être associée en tant qu'assistante à la mise en scène. Tout ça c'est de la musique d'avenir, on ne sait pas encore. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça c'est ton problème. La contraction qui donne naissance. Voilà, ça prend. Et la naissance de quelque chose de nouveau en tout cas, moi je dirais que ça c'est fondamental. Et c'est pour cela que le théâtre commence à s'en vital. Parce qu'il faut choquer l'être, qu'il sorte de sa léthargie parfois.
Et parfois, la léthargie n'est pas le fait d'être là assis à se dire qu'on est con. La léthargie, c'est aussi d'être assis à penser qu'on est l'homme le plus intelligent du monde. Oui, bien sûr. Parce qu'être assis, n'est-ce pas, sur la chaise de Einstein, en train de calculer ses équations, en oubliant qu'on peut aussi simplement manger tranquillement, baiser, ça peut être aussi une aberration. Pourquoi pas? Parce que la convention, donc là, super, il a fait la théorie de la relativité. Et la théorie de la relativité est un fait universel, il n'a pas besoin de la calculer, elle était là. Et elle sera toujours, je ne sais pas, intelligemment. Donc on n'a pas besoin qu'un individu vienne nous en parler. On va vous en parler, monsieur. Donc voilà, on fait mieux comme ça. Voilà, on va continuer ce débat, ça dit, parce que je crois que depuis qu'on a commencé... Non. Salut, je suis Parfait Tababsi, j'étais en charge de la communication du 10e anniversaire du laboratoire Terre de Yaoundé Otni. Dans cette semaine, on a eu plusieurs activités. On a commencé mardi par la cérémonie officielle d'ouverture, ici à 18h. Ça s'est bien passé, on avait quoi, une centaine de personnes. Et puis on a fait cette cérémonie, on a coupé le gâteau d'anniversaire. Et le mercredi, on a commencé avec la première conférence, puisque l'anniversaire avait trois activités globalement. Il y avait une activité de formation, une activité de conférence et une activité de spectacle. Donc le mercredi, on a commencé avec les conférences sur la thématique de l'importance et impact de l'art dans la société, dans la vie sociale au Cameroun. Donc on a eu des intervenants qui sont venus échanger avec le public sur cette thématique-là. Après quoi, il y a eu la formation. Il y avait deux formations en gros. La première était dirigée par les dames, les deux formations. La première était dirigée par une metteur en scène suisse basée à Bruxelles qui s'appelle Aline Steiner, hein, qui est une habituée de la maison. Donc, elle est venue faire un atelier avec la deuxième promotion de Ogni, parce qu'Ogni forme aussi des gens. Et donc la deuxième promotion, ils ont travaillé sur un texte qu'elle a elle-même écrit qui s'appelle « À dessin ». Et là, ils ont travaillé dessus. Le lendemain, on a eu la dédicace de deux livres produits par des gens qui sont aussi habitués à Ogni. Madame Steiner, comme j'ai évoqué tantôt. Et aussi Emine Yolo, qui est une des comédiennes qui travaille beaucoup avec Martin Barra dans ses créations. Elle est notamment à l'affiche du spectacle Hamlet Machine, Hamlet Machine, qui a été joué hier, samedi, à l'Institut. Donc, samedi 13 mars. Oui. 2020. Oui, donc, mais avant samedi, il y a eu donc jeudi 12 mars, un spectacle à l'Institut français qui s'appelle Sur les traces de Djikila Djambé, un spectacle de chorégraphie de danse qui a été donné par la compagnie Fleur de Lotus, dont le directeur est partie prenante à Ogni parce que c'est lui qui anime la section danse à Ogni. Donc il y a eu ensuite la deuxième formation avec Madame Anne Betgens qui vient d'Allemagne, qui était sur les costumes, comment faire les costumes pour des spectacles. Elle était censée commencer lundi, mais elle est arrivée finalement que mercredi, donc elle a commencé jeudi, vendredi, samedi, aujourd'hui, elle va poursuivre demain lundi, 15 et 16 mars. Donc ensuite, il y a eu dans le spectacle l'Institut Goethe-Hier de théâtre, Hamlet Machine de Martin Barra, une relecture d'un texte écrit par Henry Müller, un Allemand, qui lui-même se basait sur le texte Hamlet de Shakespeare, l'anglais. Il a fait une relecture camerounaise de cette pièce-là qui a été présentée 2 heures dans l'eau. Après quoi, on est venu ici à Ogni faire la soirée, la veillée avec plusieurs groupes, dont Love and Life, Aimant Tétu, c'est la musique. En gros, on a veillé ici jusqu'à 4 heures du matin, samedi 14 mars. Et donc, il y a eu ensuite d'autres conférences. Il y a eu une carte blanche à François Bingono le samedi 14 mars à 15 heures ici même, où il a parlé du théâtre, qu'est-ce que c'est que le théâtre, c'était ça, sa carte blanche, donc il nous a promené. Lui, François Migono étant bien sûr un homme de culture qui a été le formateur de Martin Barra dans sa troupe à la base de théâtre au début des années 90, qui lui a mis beaucoup de textes en scène, qui lui mettait ses sociétés du théâtre universitaire du Cameroun dans les années 80 avec Madame Jacqueline Lou. Donc toute cette expérience-là, il a essayé de la mettre en vigueur en répondant à la question « c'est quoi le théâtre ?». Il y a ensuite eu une autre troisième conférence qui a eu lieu, elle, vendredi, qui était la thématique portée sur
50 ans de théâtre au Cameroun, en gros, de Guillaume Olombia à nos jours. On a parcouru les esthétiques, la diffusion du théâtre, l'écriture du théâtre avec des panélistes comme Arthur Mbara, Jean-Claude Aono, qui est poète et directeur des éditions FKIA, et puis Wilfried Mouiné, qui est chercheur critique d'art ici au Cameroun, avec son association, son laboratoire aussi, qui s'appelle Voix Esthétique. Donc voilà un peu les activités. Ce soir, pour le clou, on a remis des parchemins aux deux promotions d'Otni. On a aussi présenté des spectacles de restitution des différents ateliers que j'ai évoqués tantôt, qui ont lieu dans la semaine. Donc globalement, à la fin, ces 6-7 jours étaient très, 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 très intéressants, très pleins aussi, très intenses, avec beaucoup d'activités, ça allait partout, mais globalement, on est un peu satisfait parce qu'on n'a pas eu de gros couacs. On a simplement, il y a une activité qui a été annulée, une des conférences a été annulée, faute de panélistes, c'était sur la danse. Les panélistes avaient donné un accord, mais la veille, ils n'ont pas pu être à Yaoundé. Donc c'est la seule activité que nous n'avons pas enregistrée, mais toutes les autres ont été enregistrées, elles ont été faites. Et nous pensons que c'était plutôt intéressant pour un lieu comme celui-ci, qui n'est pas un lieu où courent les sponsors, mais où il y a le cœur, les élans de cœur qui parlent beaucoup et qui aident le lieu à se structurer depuis 10 ans. Dernière chose, il y a une stèle qu'on a réalisée à l'occasion des 10 ans où on a mis les noms de tous ceux qui ont participé à la vie d'Odni. Donc il y a une stèle qui est dévoilée, qui va rester là pendant tout le temps que ça pourra. Et puis voilà, c'est une autre façon aussi de dire merci à tous ces gens-là qui ont cru en nous et qui ont donné un peu de leur, un peu d'argent, un peu de ci, un peu de ça. Odni, c'est un peu ça, c'est pas quelque chose de formalisé, de protocolaire, non. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, Et donc, c'est une approche aussi qui est peut-être plus liée au théâtre total que fait Martin, où tout le monde participe. Il n'y a pas les acteurs d'un côté, le public de l'autre, tout le monde participe. Par exemple, là, je parle en regardant la barrière. C'est une dame qui est arrivée ici un soir pour regarder un spectacle. La barrière était brinquevalante. Elle a décidé d'offrir une barrière et elle a fait. Donc voilà, c'est comme ça les choses se font à Oni, petit à petit. Ouais, chacun vient avec ce qu'il peut. Et puis on essaie de construire ensemble quelque chose. Voilà. Votre mot de fin? Ah ben, c'est le mot de fin. Je souhaite à Oni de vivre encore 10 fois 10 ans. C'est ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Yes, my name is Mr. Sakamoto. What's my name? It's Mr. Sakamoto.